tisane feuille de framboisier. Celui que l'on nomme framboisier fait partie de la famille des rosacées et est originaire des régions montagneuses d'Europe occidentale. On ne mange pas seulement les framboises sur cet arbuste fruitier. En effet, il est aussi possible d'en consommer ses feuilles en tisane infusion. Elles sont bourrées de vitamines, de minéraux et d'antioxydants utiles pour la santé, notamment chez la femme enceinte. Elles permettent de réduire les douleurs pendant la grossesse et de déclencher l'accouchement. Nous allons vous expliquer quand commencer à consommer cette tisane médicinale, quelles vertus elle propose sur votre corps ainsi que ses éventuels dangers et effets indésirables. Notez que nous proposons dans notre boutique des feuilles de framboisier bio pour réaliser de délicieuses tisanes de déclenchement ou de bien-être. Cette plante est souvent conseillée en naturopathie car elle est très efficace. Pour le goût, c'est une autre histoire. Il faudra agrémenter cette infusion d'autres plantes si celui-ci ne vous plaît pas. La recette se trouve à la fin de cet article. N'oubliez pas de laisser votre avis pour le partager avec notre communauté. Bienfaits des feuilles de framboisier. Ces petites feuilles regorgent de vertus, notamment grâce aux vitamines et minéraux qu'elles contiennent. Elles sont réputées pour renforcer l'utérus et la ceinture pelvienne, ce qui permet de favoriser un accouchement facile et sans douleur. Elle contient un alcaloïde nommé fragarine qui renforce les muscles de l'utérus. Voici la liste de toutes ses propriétés. Antioxydants. Les antioxydants permettent de capter les radicaux libres qui endommagent les cellules du corps. Ils sont responsables du vieillissement prématuré des cellules. Consommer des produits riches en antioxydants permet à notre corps de fonctionner mieux et plus longtemps. Ces molécules naturellement présentes dans de nombreux aliments sont capables de limiter les maladies cardiovasculaires, cancers, maladies neurologiques et permettent d'allonger la durée de vie. Anti-inflammatoire, permet de soulager les symptômes et les douleurs liées au rhumatisme. Antispasmodique, lutte contre les indigestions, les colites, les spasmes du tube digestif, les gastrites, les flatulences et même les règles douloureuses. Aide à la digestion, permet de faciliter la digestion. Il est intéressant d'utiliser cette plante en infusion après un gros repas pour en faciliter sa digestion. Elle lutte aussi contre les problèmes intestinaux et les indigestions. Régule le cycle menstruel, permet de réguler les règles chez les femmes ayant des cycles irréguliers et de réduire les douleurs liées aux règles. Soulage les symptômes de la ménopause, permet de retrouver un bon équilibre hormonal en début de ménopause. Favorise les montées de lait, elle enrichit le lait maternel grâce aux nutriments qu'elles contiennent et favorise les montées de lait. Il existe un grand nombre d'épices bénéfiques pour la santé. On citera le piment pour maigrir grâce à son action brûle-graisse, le poivre noir pour apaiser les quintes de toux ou encore la cannelle en poudre pour réduire les douleurs musculaires. Pour apaiser les rages de dents, on utilisera le clou de girofle entier ou en infusion, la recette se trouve à la suite. La feuille de framboisier pour aider la fertilité. Cette plante est un allié de choix pour améliorer votre fertilité si vous souhaitez avoir un bébé. Les feuilles des framboisiers, grâce au calcium qu'elles contiennent, permettent de tonifier la ceinture pelvienne et l'utérus. La fertilité en est stimulée et améliorée. C'est une des rares plantes à proposer autant de vertus pour la grossesse, ne vous privez pas de ses bienfaits. Tisane de framboisier pendant la grossesse. Même si cette tisane peut être utilisée toute l'année et par tout le monde, elle est conseillée majoritairement aux femmes enceintes pour les effets bénéfiques que nous venons d'expliquer dans les paragraphes précédents. Elle vous aidera à réduire les douleurs liées aux contractions et permettra une bonne préparation à l'accouchement. Feuilles de framboisier grossesse, quand commencer ?
On commencera une cure de 3 tisanes par jour à partir du 3e trimestre de grossesse. Ne pas dépasser cette dose recommandée pour éviter des effets secondaires, en particulier son effet astringent. Quand la boire? On vous conseillera de la consommer pendant les 3 repas de la journée, le matin, le midi et le soir. Ne vous inquiétez pas, cette tisane ne vous empêchera pas de dormir, elle ne contient pas de caféine et n'est donc pas excitante. Bien au contraire, sa propriété digestive favorisera votre sommeil. La tisane de framboisier pour déclencher l'accouchement. Même si à proprement parler elle ne permet pas de déclencher l'accouchement, elle va vous permettre de passer cette étape avec de moindres douleurs. Une cure de tisane à partir du 3e trimestre va permettre à votre corps de se préparer. En effet, grâce à ses effets anticontractants et tonifiants sur l'utérus, elle facilitera le travail. Il ne vous restera plus qu'à faire la partie la plus facile, élever votre enfant. En Inde, on consomme fréquemment du lait à la cannelle en fin de grossesse pour accélérer l'accouchement. Nous préparons un article sur les bienfaits de la cannelle. Réguler et diminuer les douleurs liées aux règles. Les problèmes de règles sont un problème récurrent chez la femme de tout âge. Il est possible d'utiliser des médicaments prévus à cet effet, mais quand cela est possible, il est préférable d'utiliser des méthodes naturelles en utilisant ce que la nature nous offre. Epice.com vous propose des produits 100% naturels pour aider votre corps à aller mieux. Pour lutter facilement contre ces symptômes, il vous suffira de consommer cette tisane en infusion 3 fois par jour en commençant 3 ou 4 jours avant le début des règles et en continuant pendant 4 jours. Les effets se font rapidement sentir. Ces feuilles, utilisées en infusion, sont aussi un atout pour les femmes à l'arrivée de la ménopause. Elles aideront à limiter les changements hormonaux de votre corps, irritabilité, bouffées de chaleur, règles douloureuses et irrégulières. Tisane feuille de framboisier, danger? Y a-t-il un danger à consommer cette tisane? Tout d'abord, nous vous conseillons d'utiliser une tisane qui contient 100% de feuilles de framboisier. En effet, certaines plantes peuvent être déconseillées chez la femme enceinte. Utilisées pures, ces feuilles ne présentent pas de danger connu, il faudra juste limiter sa consommation à 3 tasses par jour. Ces propriétés astringentes peuvent assécher les tissus et peuvent avoir l'effet inverse de celui recherché. Certaines tisanes, dont celle-ci, ont un effet laxatif. N'en abusez pas. En cas de doute, notamment si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, gynécologue ou naturopathe. Feuilles fraîches ou séchées? Il est possible d'utiliser les deux, et même les branches pour ceux qui ont ce fruitier dans leur potager. L'utilisation de feuilles fraîches nécessite de doubler la quantité par rapport à celles séchées. Pour la recette qui suit, il faudra donc 4 cuillères à café de feuilles vertes. Cueillez les feuilles au fur et à mesure de vos besoins, elles ne se conservent pas très bien une fois coupées. Vous pouvez aussi les faire sécher en coupant des branches d'environ 30 cm qu'il faudra suspendre la tête en bas pendant plusieurs semaines. On les conservera ainsi plusieurs mois voire plusieurs années. N'hésitez pas à demander à vos voisins, notamment avant l'hiver au moment de la taille. Ce serait dommage qu'elles finissent au compost. Recette de la tisane de feuilles de framboisier maison. Voici les ingrédients nécessaires à la réalisation d'une tasse de 25 cl, petit mug. 2 cuillères à café de feuilles sèches. 25 cl d'eau. Citron jaune au miel, facultatif. Préparation de l'infusion. Portez l'eau à ébullition avant d'ajouter les feuilles de framboisier hors du feu.
Laissez infuser pendant 10 minutes avant de filtrer. Vous pouvez ajouter un peu de jus de citron et de miel pour améliorer son goût. Posologie, on limitera sa consommation à 3 tasses par jour. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.